Hier, c'était la séance biceps. Mais là, je m'en remets pas là. J'aime trop faire les bras. Salut. Et là, c'est le dernier épisode de la préparation à la prise de masse. On a déjà fait les groupes musculaires et là, on fait le dernier que je vais faire. Épaules, enfin du moins, avant des épaules et triceps. Alors tu vois, les épaules, je les fais deux fois. Tu sais pourquoi? Parce que la première fois que je les ai fait, j'ai travaillé avec le dos et j'ai travaillé la partie latérale et arrière. Et là, on va bosser que l'avant. Parce que oui, je sais que l'avant des épaules, en général, n'a pas de retard dessus. Mais c'est bien qu'il soit harmonieux. Regarde. Quand l'avant des épaules est harmonieux, c'est bien dessiné. Donc, j'aime bien taffer l'avant des épaules. Et on va le faire. Bon, après, niveau triceps, si tu me connais, ça fait partie de mes points forts. Le triceps, fer à cheval, tu vois. Le triceps, c'est un muscle que quand tu l'as, tu deviens un autre homme. Déjà, quand tu mets un pull serré, tu vois une espèce de bossy qui commence à se remettre de semaine en semaine quand tu taffes tes triceps. Et quand tu l'as, là, je peux durer les coups d'épaule dans le train, là, les gens, ils vont les sentir. Et là, je parle de coups d'épaule, mais regarde, tu vois, dans le train, quand tu mets des coups d'épaule aux gens, deux fois, tu mets des petits coups d'épaule, normal. Mais quand ton triceps, il est là, ben, ton triceps, il va tout seul, tu vois, tu mets un coup d'épaule, mais tu vois, ton bras, il part, tu vois. Et là, les gens vont le sentir, grâce au triceps, juste ça. Mais aussi, du côté harmonie, là, on n'est plus dans le côté bagarre épaule, là, on est dans le côté harmonie, le triceps, ça va très bien avec le biceps. Donc, c'est important de travailler à la fois ton biceps correctement et ton triceps pour bien avoir un rendu harmonieux. Et les épaules aussi, parce que j'oublie. Parce que toute cette partie-là, que ce soit latéral, arrière, avant, biceps, triceps, faut les bosser. Bon, sans plus attendre, je vais te dire le programme. Hop, on a le grimoire qui est là. Premier exercice qui sera l'extension triceps avec haltère. Cet exercice-là, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je prends les haltères, je prends un seul haltère et je prends mes deux mains et je fais une extension. Tout simplement. Deuxième exercice qui sera l'incontournable, l'immanquable, l'irremplaçable dips machine. Cet exercice-là, dès que je l'ai vu à la salle, j'ai pas les mots pour décrire cette machine. C'est la machine qui m'a fait le plus progresser pour moi en triceps. Bon, après, je sais qu'il n'y a pas de dips machine dans toutes les salles. Certaines salles ont des dips machines où c'est guidé. Bon, c'est pas mal aussi. D'autres salles, ils n'ont pas de dips machine. Donc, comment remplacer la dips machine si tu veux ressentir la sensation? Donc, tu vas faire des dips, mais lestés. Soit tu vas prendre un poids et tu vas le faire à la blédard. Tu vas la mettre sur tes jambes et tu vas faire. Soit tu prends une ceinture à traction, enfin une ceinture où tu mets un poids dessus et tu fais tes dips. Ou sinon, ouais, il n'y a que ça. Hein. Y a que ces deux possibilités-là pour remplacer la dips machine. Ah non, ou sinon tu prends un gilet lesté. Parce que maintenant, on en voit un peu partout. Sinon, tu prends un gilet lesté. Pour information, un gilet lesté, c'est un espèce de débardeur qui ressemble à un gilet pare-balles. Tu vois, tu mets ça. Il y a des poids dessus que tu peux rajouter sur certains ou retirer. Et ça te met du poids, ça te rend plus lourd. Très utile pour ceux qui veulent travailler en vitesse ou ceux qui veulent faire des exercices plus intenses. D'ailleurs, j'ai un gilet lesté là, je vais voir si je ferai pas une vidéo dédiée à ça. Bon, c'est bon, j'ai fini avec cette parenthèse, on va poursuivre le programme. Juste après ça, on va se faire de l'élévation haltère en prise neutre, élévation frontale. Alors, cet exercice-là, à bien faire attention, il faut mettre léger. Tu sais pourquoi? Parce que l'avant des épaules est très très sensible. Tu vois, quand tu fais du développé couché, bah, toi, il t'arrive à avoir des douleurs à l'épaule, surtout en incliné. Et bah, c'est l'avant des épaules qui souffre. Il souffre et il prend aussi. Et pour finir, pour assassiner l'avant de ses épaules, on va se faire de l'élévation frontale haltère en prise pronation. Donc là sera vraiment l'assassinement total. Toujours pareil en léger parce que l'avant des épaules est sensible. Donc, tu prends en léger, tu les renforces. Et voilà. Ton programme est terminé. Sur ce programme, pareil, on est sur du 4 x 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos pour tout ce que je t'ai dit. Tu vas faire du 4 x 15, tu vois. Là, on va vraiment renforcer, se préparer. Sur ce, je te laisse sur la fin de ce programme. J'espère que tu as aimé cette vidéo-là et les autres vidéos qui ont suivi à la préparation de prise de masse.
Là, je vais me préparer pendant 2 semaines, en fait. Et après ça, on va commencer le lourd. Alors, je vais tout mettre ça dans une playlist. Je sais pas encore quel nom je vais l'appeler, mais je vais mettre ça dans une playlist. Et quelques semaines, je vais mettre 5 vidéos comme ça où je me prépare à la prise de masse. Entre temps, je ferai des petites vidéos conseils sur peut-être ce que je mange, les compléments alimentaires que je vais utiliser pour cette prise de masse. Voilà, comme ça, je te laisse pas sur rien et je te dis tout ce que je fais. Comme ça, je te dis pas juste les exercices, après le reste, voilà. C'est la magie, c'est la poudre, tu vois. Non, je vais te dire tout ce que je vais prendre pour cette prise de masse-là. Sur ce, mets un j'aime si t'as aimé cette vidéo, si t'as aimé toutes les autres vidéos, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite.